On a une petite rivière, une clairière, elle commence à neiger. Je pense que on va trouver un bel endroit ici pour se poser. Il n'y a pas marqué propriété privée nulle part. C'est bon. Elle est plutôt humide. Voilà, petite visite à l'intérieur. Enfin, bon, il y a de l'espace. Par contre, le sol, c'est vraiment d'agadou. Voilà, il y a une autre porte de ce côté. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est très 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 humide. Bon, pas le choix. Bon ben, ça commence à bien tomber là. Je vais essayer de remplir tout ça. On va le mettre dans la boue. Comme ça. On va fermer là parce que ça commence à mouiller un peu. Here we are. Je vais pouvoir enfin mettre les chaussettes sèches parce que là c'est un peu frisqué. Je sais pas comment ça va pouvoir sécher ça. Hop. Donc là j'ai tout rentré, donc c'est un peu le bazar, il va falloir tout trier. Ce dont j'ai besoin ce soir, ce dont je n'ai pas besoin ce soir. Ben, mes chaussures de marche censées être étanches ne le sont pas tellement. Donc elles sont trempées à l'intérieur. J'espère que je vais arriver à sécher aussi, je sais pas comment. Bon, on va faire vraiment très simple ce soir. Parce que
que je cuisinerai mieux avec pâtes. Un peu de sel. Ça, c'est de la purée de pommes de terre. Ça fait un drôle de mélange. On va appeler ça une soupe au vermicelle. Hop, voilà. Ça cuit pas trop mal, hein. Beaucoup plus rapide que je ne pensais. Fait un peu frais, ouais. Bon voilà, j'ai déménagé, c'était beaucoup trop humide, j'ai tout remballé, j'ai trouvé un autre endroit un peu plus sympathique, dans un pré, avec de l'herbe, et on s'enfonce un petit peu moins, voilà, une petite boisson chaude le soir, j'ai tout remballé et j'ai tout réinstallé 4 ou 5 km plus loin. Voilà, et c'est fait. Alors ça, c'est mes chaussettes qui sont en train de sécher. Donc en fait, c'est un séchoir à chaussettes mouillées. Ça s'appelle autrement un pied. Enfin, deux pieds pour deux chaussettes. Extrêmement efficace. Ouais, c'est incroyable. Voilà, la vérité, il fait très très froid. Donc j'ai du mal à dormir. J'essaie de réchauffer un petit peu l'atmosphère dans la tente. Ah voilà. Ouais, il doit faire moins 4, moins 5 degrés. Bon, au moins il n'y a pas de vent, c'est déjà ça. Il pleut pas. Il neige pas. Voilà, j'ai mis la... On appelle ça le poêle à pétrole, je sais pas, avec des bougies. Je sais pas si c'est psychologique, j'ai l'impression que ça se réchauffe un petit peu. Voilà. Bon, il est seulement 22h. Les yeux qui piquent. Et il fait trop froid. Bon, ça va, c'est encore supportable. Alors, si vous voyez comme ça brille, là, en fait, c'est parce que la condensation, elle a gelé. Donc, toute la toile est gelée. Et maintenant que j'ai mis du feu, ça fond et ça fait des gouttes. Bon, c'est pas grave, il fait bon là. Voilà, le jour se lève. Là, il fait moins 3. C'est descendu à moins 5 cette nuit. Ça piquait pas mal. Tout est gelé. J'ai l'impression de marcher sur des cailloux. En fait, c'est les champs bien humides qui sont gelés. Ah, ça fait du bien de voir le jour. La nuit a été plutôt longue.
Bon, ça c'est la petite pause café, petit déj du matin. Le bois est hyper humide, comme on le voit la fumée. Là, il fait moins 3 degrés. Le soleil commence à nous réchauffer un petit peu. C'est pas encore ça. Voilà, en route vers le lac de Cressan. Je vais d'abord passer par l'étang. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le nom de l'étang, c'est l'étang. Et avant, j'étais au lac de Marot. Voilà, il fait un temps radieux, comme vous pouvez le constater. Alors, c'est vraiment, ça fait plaisir après la nuit bien fraîche. J'ai passé dans un champ. Finalement, après avoir tenté un bivouac dans une forêt, mais c'était beaucoup trop humide, plus j'avançais dans l'installation, plus je m'enfonçais dans des feuilles, dans un terrain presque marécageux. Bref, bon, j'ai trouvé un petit coin de champ un peu plus sec, et voilà, des champs à perte de vue, des petites collines, des petits villages sympathiques. C'est magnifique. Là, je suis revenu mon fameux abri pédagogique. Bon, j'ai mis un peu tout ce que j'avais d'humide à sécher, parce que cette nuit, avec la condensation après le gel, c'était trempé. Voilà, et là je peux m'installer. Ce qui est sympa, c'est que je peux étaler les affaires et tout bien ranger comme il faut, avec table, chaise si on peut dire. On fait la cueillette de bois mort bien sec, c'est tout frappant. Le sable lichen comme ça. Bon, celui-là est un peu tranquille, comme de l'allume-feu. Ça, on entend, c'est tout croustillant, ça craque comme ça, c'est tout croustillant, ça craque comme ça, c'est que c'est bien sec, c'est bien mort, très sec. Ça aussi, bien craquant.
recette commence par des oignons. Il fait très froid. Ah, mais il est gelé. Voilà, alors c'est pas de la cuisine là, c'est que toutes mes paires de chaussettes sont trempées ainsi que mes chaussures. Donc c'est pas très pratique. En fait, il me faut une paire de chaussures de rechange parce que tant que les chaussures sont trempées, ben on a beau changer de chaussettes, ça sert à rien. Voilà, à retenir. Alors voilà un peu le champ de bataille. Et oui, tous les matins, il faut tout remettre en place, tout ranger, tout retrier, tout remettre bien comme il faut dans les sacs. Et voilà, ça prend une bonne heure. Pareil le soir, ça prend une bonne heure pour monter le camp, monter la tente, aller couper du bois, faire le feu dans le poêle à bois, aller chercher de l'eau, la filtrer, la faire bouillir. Je ne vous dis pas pour se faire un café ce que c'est. Et bien, du coup, après, on apprécie le café. Hein. C'est pas le même qu'à la maison, c'est sûr. Il faut juste appuyer sur un bouton et tourner l'eau de le robinet. Voilà, incroyable. Tout est rentré dans le sac. Voilà, c'est pas évident. Déballer, c'est une chose, mais quand on remballe, en général, ça rentre plus. On va rentrer là-dedans. Allez, let's go, c'est parti.